Les noms que vous avez choisis pour cette manifestation, le Cercle des Saisons, quelle belle appellation. Alors je voulais vous présenter bien sûr les membres du jury, en commençant par Monsieur Félix Faure, meilleur ouvrier de France 2011, dans la catégorie Art des jardins paysagers. Il mérite un triomphe. Sur sa droite, Monsieur Jacques Lacret, vice-président de l'association Ortis, directeur des espaces verts et de l'environnement de la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Bien évidemment, un jury sans Yves Bien-Aimé aurait été incongru en cette ville de Chantilly, et tout à l'heure nous donnerons un coup de cœur. Je voulais simplement vous dire un petit coup de cœur que j'ai eu cet après-midi. Monsieur Bien-Aimé m'a emmené dans son jardin, le potager des Princes. Et quand vous ouvrez la porte qui vous donne accès au jardin, et que vous croisez les poules, les canards, les cygnes, et tous ces animaux, eh bien on retombe véritablement en enfance. Et je vous assure qu'aujourd'hui, dans le monde de fous qui est le nôtre, retrouver son âme d'enfant, ce n'est pas du génie, monsieur, c'est un talent absolument inouï, c'est du génie, bien évidemment. Et puis, donc, applaudissements, s'il vous plaît. Je voudrais également saluer Nicole Mulan qui est dans la salle et qui est ici, et bien sûr son mari, Patrick Mulan. J'ai vu que sur ma petite fiche, il est marqué rédacteur en chef de MAP. C'est bien autre que Patrick Mulan. Je l'avais qualifié une fois sur les ondes de France Inter de pape de l'horticulture. Cet homme est dans tous les domaines de l'horticulture. Il est dans les médias, bien évidemment, et en particulier sur RMC tous les samedis matins, jusqu'à 5h à 8h du matin. Et 6h du matin, je ne te croyais plus matinal, vois-tu. 6h à 8h, c'est un homme vraiment qui est d'une très rare compétence, et la présence, je crois, de Patrick dans ce jury était indispensable, tant l'homme sait disséquer les produits. Nous y reviendrons dans un instant. Alors, il a fallu choisir des prix. Très difficile, quand il y avait une soixantaine d'objets de toutes sortes qui nous étaient présentés, certains ont fait débat, beaucoup débat, et puis il a fallu malheureusement choisir. La direction nous avait imposé un quota 80 points sur 100. Ce n'est pas évident, et pourtant, après 4 heures de travail, de délibération, nous avons des lauréats que je vais donc vous annoncer. Je me contenterai, comme je suis un petit peu paresseux ce soir, de citer le nom du lauréat et je donnerai la parole à Patrick pour qu'il vous explique le pourquoi du comment. Patrick, es-tu d'accord? Alors, dans le domaine que nous avons nous-mêmes qualifié d'innovation, parce que nous avons trouvé que c'était véritablement un produit de grande innovation, et un produit également qui est important aujourd'hui, parce que le monde de l'horticulture est un monde qui bouge, est un monde qui évolue, d'où l'intérêt de ce prix. Nous avons permis justement au jardinier par la suite de contrôler son jardin à distance. Il a donc été décidé d'attribuer un prix à Consol Green Q pour son innovation que Patrick maintenant va vous expliquer. Eh bien, c'est un... Excusez-moi, j'ai plus de voix du tout à cause du beau temps qu'on a eu aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui permet de contrôler aussi bien l'arrosage automatique que l'éclairage de votre jardin à partir d'une application que vous avez sur un iPhone. Et ce qui est particulièrement malin et ce qui nous a intéressé, c'est que vous pouvez être relié avec le cloud, ce qui fait que quel que soit l'endroit où vous trouvez, vous allez pouvoir être en contact avec votre appareil. Et celui-ci travaille également avec les prévisions météorologiques, ce qui fait que vous avez une fiabilité absolue. Je demande donc aux représentants de Consol Green Q de venir jusqu'à nous. Merci. Nous allons enchaîner immédiatement avec une autre innovation qui nous a véritablement bluffé. Le métier de jardinier est un métier complexe, il faut se lever tôt le matin et surtout il faut se baisser régulièrement. D'où cette invention astucieuse que nous avons trouvée maligne et pratique. Le second prix, qui n'est pas second, il n'y a pas de premier ou second, ils sont tous au même niveau, et bien est pour râteau australien. Patrick vous explique l'intérêt de la chose. J'aurais aimé que tu fasses une démonstration, mais malheureusement nous n'avons pas l'appareil.
Non mais là c'est très très propre, donc on n'en aurait pas eu besoin. C'est la société Rimimex qui est primée ce soir, avec un râteau très malin, un râteau qui est un râteau à feuilles, mais qui a deux parties, et il suffit de glisser la main, de tirer sur la... oui, comme on peut dire, quelque chose qui se situe une poignée, et du coup les mâchoires se referment, et vous pouvez saisir l'herbe, vous pouvez saisir les feuilles que vous ramassez, et après vous les posez vers la brouette, vous lâchez, et ça, il n'y a pas besoin de se plier, on fait quelque chose complètement en souplesse et en douceur, donc on a trouvé que c'était un outil particulièrement malin et très très bien fini. Donc la société Rubimex est représentée ce soir, les bienvenus, alors là pour beaucoup de chance, ils y croyaient pas en fait, donc vous trouvez. Merci. Allez, Pascal Rivera. Oui, Pascal Rivola qui a créé cette société et qui, il faut le dire, Rubimex a souvent des produits malins. On va lui demander d'ailleurs comment il découvre ça et quel est un peu son flair pour retrouver beaucoup de produits qui sont... Vous êtes jardinier vous-même, Pascal ? Oui, absolument. Jardinier, je suis né dans les terres et effectivement, j'adore le jardin. Et Rubimex essaye tous les ans de faire des innovations, de chercher des produits. Et j'ai aussi, je voudrais le préciser, ce produit est un produit italien, c'est-à-dire inventé en Italie, fabriqué en Italie. Et donc quand je dis italien, c'est parce que je suis italien, mais aussi parce que c'est européen. Donc contrairement à beaucoup de produits qui aujourd'hui proviennent très loin. Alors le produit s'appelle Australian parce qu'en fait c'est la société italienne qui s'appelle Australian. Alors voilà, le fabricant s'appelle Australian. Donc en fait c'est Australia made in Italy. Bravo Pascal. Le jury à son unanimité, je crois, a été assez bluffé par un engin. C'est ce type d'engin qui fait le plaisir de ceux qui les utilisent et qui fait beaucoup moins plaisir aux voisins quand ils doivent supporter le bruit de la tondeuse. C'est un peu le problème. Et nous avons eu été étonnés par le rapport qualité-prix d'une tondeuse. Une tondeuse qui possède vraiment tout ce qu'il faut à un engin pour tondre la pousse, c'est le minimum qu'on peut lui demander d'ailleurs. Et donc j'appelle les représentants de la tondeuse Gardif, l'homme master, à venir nous rejoindre. Bravo, c'est vraiment une tondeuse de qualité. Patrick vous explique maintenant en détail le pourquoi. Ben, le pourquoi, ça peut être un peu surprenant de primer une tondeuse parce qu'il en existe des centaines voire des milliers de modèles, mais celle-ci, elle a l'ensemble de toutes les qualités qu'on recherche aujourd'hui sur une tondeuse, à savoir un démarrage très facile grâce à un moteur Bridgestone de modèle EasyStart, mais en plus une poignée qui a été particulièrement travaillée au niveau du lanceur et qui n'est pas la poignée standard, donc c'est confortable. On a été très étonné par aussi le levier de réglage de hauteur de coupe qui est centralisé, vous allez dire c'est commun, sauf que là la poignée est extrêmement souple, c'est vraiment presque un plaisir. Il y a ce que mon ami Alain a appelé un pare-buffle, en fait, qui est quand même une sorte de pare-choc devant qui permet d'éviter de rentrer la machine directement dans un obstacle, donc ça la protège. Il y a également bien sûr un système autotracté, mais un débrayage de lame, ce qui permet de passer sur des endroits qui n'ont pas à être tendus tout en étant sans avoir la lame qui tourne. Donc on a été assez surpris par l'ensemble de ces qualités. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a plein de tondeuses comme ça, sauf que celle-là, elle est à 400 euros. Mais ça, je pense qu'il y a très très peu de tondeuses qui peuvent se permettre de proposer l'ensemble de ces qualités-là à ce prix-là. Si les représentants de la maison qui commercialise cet engin merveilleux pouvaient venir, nous en serions. Eh bien, merci beaucoup au jury d'avoir primé deux tondeuses. Alors, effectivement,
Un petit peu comme nos confrères de Ribimex, on essaye d'apporter chaque année des innovations au niveau du monde du jardin. Et donc nous, notre spécialité, c'est la motoculture. Alors effectivement, c'est une tondeuse qui se veut être complète, mais aussi de qualité, parce que c'est vrai que tondre au jardin, c'est pas forcément la tâche qu'on apprécie le plus. Alors si on peut le faire de façon confortable, de façon ergonomique, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, M. Mulan, c'est vrai que redémarrer son moteur à chaque fois qu'on doit quitter son poste de travail pour aller vider le bac, c'est quelque chose de contraignant. Ça a été voulu par le législateur pour des questions de sécurité, que la lame s'arrête en dessous du carter. Et donc ce débrayage de lame, qui est pas forcément une nouveauté parce que les professionnels l'utilisent sur leurs machines, on a pensé que ça pouvait être intéressant de fournir cette caractéristique de cette tondeuse auprès du grand public. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est Patrick lui-même qui choisit ses vêtements. Je soupçonne Nicole de lui permettre d'être toujours aussi élégant. Si je parle de l'élégance de Patrick, ce n'est pas par hasard. Souvenez-vous, il y a encore 30 ou 40 ans, quand vous allumiez votre télévision, les jardiniers qui apparaissaient étaient systématiquement affublés de paires de bottes généralement épouvantables, d'une cotte de travail recouverte d'un tablier et bien sûr d'un chapeau de paille. Généralement, il pleuvait des trompes d'eau, ils arrachaient les poireaux dans une terre détrempée et ils souriaient à l'image. Quelle vision cauchemardesque! Et sont arrivés les nouveaux jardiniers, et Patrick, de par son élégance, atteste que l'on peut être un homme de la terre et un homme de la ville et un homme d'une grande élégance. Si je vous dis ça, c'est simplement que nous avons eu un coup de cœur. Un coup de cœur parce que ce métier qui était très masculin il y a encore quelques années, s'est féminisé. Et il y a encore une petite vingtaine d'années, je vais me faire quelques ennemis, c'est pas grave, mais les femmes qui jardinaient ressemblaient davantage à des cottages qu'à des femmes telles que je les imagine. Et puis les femmes sont restées fort heureusement des femmes, elles ont continué à œuvrer dans leur jardin avec beaucoup d'élégance, et aujourd'hui nous avons découvert des tenues qui sont faites pour les femmes, qui sont des femmes et qui veulent rester belles dans leur jardin. Ce fut un véritable coup de cœur, et si les responsables de Salopette Fashion Security sont là, je serai très heureux pour ce coup de cœur que le jury leur a attribué. Délicieuse personne qui nous rejoint ne porte pas la salopette. Voilà, je suis, mais suis, vas-y. Voilà. Compliment à vous, je vais redonner la parole à Patrick et à l'ensemble des membres du jury parce que vraiment, vous pouvez vous demander est-ce qu'une salopette a sa place dans le monde du jardin? Eh bien, je crois que oui. Et je vais redevenir le jardinier de Versailles. Le Versailles est un domaine qui emploie de plus en plus de jeunes femmes qui viennent de tous les horizons, et ce sont des femmes qui ont envie de garder leur authenticité et leur personnalité. Et puis ce sont des femmes qui côtoient aujourd'hui des millions de visiteurs venus du monde entier. 10 millions de personnes chaque année viennent de l'étranger découvrir Versailles. Et je crois que l'image de marque qu'une véhicule se fait d'abord par le vêtement. Donc bravo à vous pour ce que vous avez fait, beaucoup de talent et compliments pour ce que vous êtes également, vous avez des yeux merveilleux. On revient là, à l'orateur, et on peut l'applaudir. Alors on a attribué un coup de cœur et pas un grand prix à ce produit parce qu'il nous a vraiment séduit, c'est vrai. Mais on avait une femme dans le jury, je ne sais pas si Alain tu l'as cité, Fabienne Bouchera tout à l'heure, et elle aurait aimé que le tissu, qui est déjà beaucoup plus souple qu'un tissu de travail habituel, soit peut-être un tout petit peu plus élastique que quelque chose qui soit stretch par exemple, de façon à lorsqu'on se plie, on est vraiment de la souplesse. Et puis, quelques-uns d'entre nous, on a ajouté que la partie qui est sur le côté qui avait des boutons, si c'était des pressions, ça serait peut-être plus facile à mettre rapidement quand on arrive du boulot, qu'on veut enfiler ce truc-là. Voilà, donc on est presque à la perfection, mais on aurait aimé autre chose. Donc voilà, on vous donne des pistes pour que vous puissiez nous en faire des trucs qui vont vous emballer complètement. Voilà. Je vais donner la parole à nos amis du jury pour qu'ils nous fassent une petite conclusion à chacun. Très honoré d'en faire partie. Le
beaucoup de mal, puisque 4 heures, on a travaillé vraiment 4 heures, on a discuté, on n'était pas tout à fait par moment d'accord, mais là, on a bien réparti l'économie, la nouveauté, le modernisme, et puis le râteau, c'est quand même, puis l'élégance. Oui, bah effectivement, c'était un travail un petit peu compliqué vu le nombre de produits qui étaient proposés. En tous les cas, ça a été l'objet de nombreux débats. Et effectivement, je pense qu'il y avait énormément de produits qui étaient proposés et qui étaient fort intéressants. Bonsoir à tous. Moi, j'étais très heureux, un véritable plaisir de faire partie de ce jury. C'était très enrichissant. J'espère qu'il y aura des beaux projets pour l'année prochaine, pour qu'on puisse à nouveau reformer ce jury si tout le monde le souhaite. Merci. Et simplement pour conclure cette remise de prix qui fut, je crois, fort agréable, vous rappelez que vous avez la chance d'exercer notre métier, le plus beau métier du monde. Merci à vous. Bonsoir, merci beaucoup tout le jury d'avoir donné, de vous avoir donné autant de peine pour faire ces élections. C'est une locale qui a récupéré le dernier prix, un Européen qui m'a bien étonné, et Frédéric que je connais depuis 20 ans. Nous invitons maintenant, si vous voulez passer derrière le rideau, où vous allez avoir un buffet et un cocktail dînatoire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.